نحن هنا في إطار اتفاقية تعاون دولي بين المعهد الوطني للتراث وجامعة أميان الفرنسية، في إطار اتفاقية تعاون تم إمضاءها سنة 2023، والآن نحن في أول حفرية التي ستمتد على مدة 4 سنوات. Nos travaux ont commencé en 2022. Nous avons effectué plusieurs prospections, plusieurs études architecturales et depuis l'été 2024, nous avons entamé des fouilles stratigraphiques sur le site de Sbeitla. Nous avons pour objectif d'améliorer la connaissance de l'occupation de la ville entre le 1er et le 7e siècle de notre ère, de comprendre la question de sa fondation, de son abandon et des évolutions successives des populations et de l'urbanisme au fil du temps. Nous soutenons à hauteur environ de 700 000 euros la coopération franco-tunisienne dans le domaine de l'archéologie par plusieurs missions, notamment à Haïdra, à Tapsus, à Sbeitla ou encore à Douga. La Tunisie est vraiment un pays riche dont le patrimoine est exceptionnel et qui mérite une valorisation et une intensification des recherches pour pouvoir le mettre en valeur. Les fouilles donc à Sbeitla m'ont permis de découvrir la Tunisie puisque je n'étais jamais venue, donc ça a été une grande opportunité pour moi de partir à l'étranger et découvrir une autre culture et un autre pays tout en suivant mon cursus universitaire. Donc ça représente un double intérêt pour moi.